Bonsoir, selon laquelle vous nous suivez. Coup d'envoi, c'est donc votre émission, comme vous l'avez l'habitude de suivre, de la macroéconomie à la microéconomie en passant par l'économie des ménages. Nous en parlons dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial et avec lui, on va parler de la grande province orientale. On va également parler de Kinshasa. On va parler des expos béton. On va parler du ciment, de la cimenterie. On va parler de beaucoup de choses politiques et consorts. Il s'appelle Jean Bamanissa Saïdi. On l'a vu gouverneur dans la grande province orientale, gouverneur dans la province de On l'a vu également à plusieurs endroits en tant que politique, mais aussi homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Il aime bien manier l'argent, manipuler l'argent. Et nous reviendrons avec lui parce qu'on parlera également économie. Jean Bamanissa Saïdi, bonjour. Bonjour, Monsieur Willy Akonda. Alors, aujourd'hui, on... avant d'entrer dans de nos sujets, il y a cette question de nationalité qui est très en vogue aujourd'hui. On parle, on ne se le cache pas, des métis, ceux qui ont un peu plus la peau blanche, qu'on qualifie d'étrangers, et même d'autres personnes qui ne sont pas de la peau blanche, qu'on qualifie également d'étrangers, de, de, des pères et des mères. On sent de plus en plus ce débat émerger dans la ville de province de Kinshasa, également dans l'ensemble du territoire national, et même au niveau de la diaspora. Alors, sans entrer dans la polémique, parce que notre émission, c'est pas vraiment polémique. Quel est votre point de vue par rapport à tout cela Vous avez bien dit euh, de, dire que, de rappeler que ce n'est pas seulement cette déconsidération envers les personnes de peau différente, euh, mais euh, on tend, et malheureusement on glisse même euh, à contester la nationalité euh, des Congolais euh, euh, qui sont repris sur euh, cette ligne de frontière qui a été héritée de la Belgique. Euh, 1885, euh, conférence de Berlin, Léopold, euh, la Belgique. Et je voudrais vous dire que j'ai passé euh, un peu plus de six mois l'année dernière au Cheste euh, et j'ai fait un travail sur euh, l'identité euh, congolaise. Mon travail a été intitulé euh, La République démocratique du Congo face au répris » identitaire. Parce que je condamne déjà tous les, beaucoup de Congolais euh, de ne plus avoir seulement le repli, mais d'être aussi déjà euh, des repris identitaires, parce que tout le monde s'identifie à, à sa communauté, à, à sa province, à son territoire, à sa chefferie, euh, à son clan. Et c'est un danger. Le danger n'est pas seulement de considérer les personnes euh, de, de peaux différentes. La dernière fois, tiens, j'étais avec un, un brave Lokelé à Kisangani, et je lui ai dit Mais tu es presque aussi blanc que moi. Et il n'a pas encore de problème, et j'espère qu'il n'en aura pas. Donc, euh, il y a sérieusement un problème c'est que nous devons arriver, et ma recommandation de mon travail, c'était que nous devons arriver à faire les états généraux de l'éducation civique parce que nous devons recréer une nation. Une nation, elle doit être bâtie sur la solidarité, sur la tolérance, sur l'acceptation, parce que le Congo euh, a été constitué des différentes tribus, des différents États. Euh, à l'époque, euh, avant euh, la colonie, c'était des royaumes qui étaient là, c'était des, des États qui étaient là, euh, avec plusieurs clans, que ce soit à l'Est, euh, à l'Ouest. Euh, je ne veux pas tous les citer ici, mais il y avait des grands royaumes. Et la, la ligne de frontière a redessiné tout ça pour nous donner une richesse, qui est une, une très, très grande richesse. Il y a très peu de pays qui ont autant de diversité culturelle, communautaire et de sous-sol. Alors, les Congolais, il me semble que nous n'arrivons pas à. à, à à comprendre ce que nous avons hérité. Et, et quand, par exemple, excusez-moi, quand on vous dit, vous, vous entendez les gens dire que vous n'êtes pas congolais, ça vous fait comment Mais Qu est-ce que vous sentez Non, non, moi j'ai très rarement entendu ça et moi je me sens un citoyen du monde. Parce que les frontières, elles sont arrivées il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans et elles ont bougé. Vous savez, même en Europe, les frontières bougent. En Afrique, elles bougent aussi. Donc euh, non, moi j'ai pas de considération et puis je peux vous assurer que lorsque je suis sur mes terres en, en province orientale, euh, il n'y a vraiment pas de considération pareille. Il y a une euh, on a, on, en province orientale, on n'a pas ce sentiment de, de rejeter les gens par rapport à leur peau. Mais je vous dis, je m'inquiète plus des Congolais noirs qui sont rejetés. C'est là où c'est inquiétant. Nous, euh, les couleurs basanées, on n'est pas nombreux. Mais les Congolais euh, de peau noire qui sont rejetés par leurs propres frères ici au Congo. au Congo sont nombreux. On, on fait des, des clans. C'est même plus fort que les quelques personnes euh, à couleur euh, de, de peau blanche. Donc, euh, il faut aller au fond du problème et faire très attention. Vous ne vous pas moins Congolais on, Pas du tout. Moi, je ne me sens pas moins Congolais parce que j'ai toujours vécu au Congo. J'ai euh, toutes mes affaires ici. Moi, je n'ai pas une maison à l'extérieur du Congo, messieurs. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, mais c chez moi, c'est au Congo. Bon, puisque vous parlez de chez vous au Congo, on vous voit, Jean-Bamanissa dit euh, vous intéresser à la grande province orientale. Et on dit toujours que là où il y a Jean-Bamanissa, c'est qu'il y a toujours des richesses. Et, et certains disent que vous êtes beaucoup plus affairiste que politique, parce que vous partagez la politique et les affaires. Pourquoi la province orientale vous intéresse t Je parle de la grande province orientale. Vous savez, je veux vous dire, déjà d'origine, hein, euh, peut-être le, les gènes se transmettent. Mais mon père était d'origine serbe, yougoslave, de nationalité belge, mais il a formé énormément de Congolais. Les grands nationalistes congolais, dont Patrice Lumumba, ont été formés chez mon père, à Yangambi et à Kisangani, à partir des années 48-50. Et lorsque moi je vais en politique, je peux vous assurer que allez, allez dans les services de l'État, ministère des Finances, etc. Vous ne verrez pas le nom de Babanissa, ni des intérêts euh, euh, directs, même quand j'ai géré. Vous n'allez pas voir où moi j'ai mis ma main dans la caisse de l'État. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai une expérience économique, d'affaires, mais je vous dis, heureusement ou malheureusement, les deux. J'ai laissé mes affaires, parfois ma famille, pour aller m'occuper de mes concitoyens. Et ce n'est pas par affairisme, loin de là. Parce que, vous savez, l'argent n'est pas une finalité. Euh, une fois que vous en avez, vous savez vivre avec ce que vous avez, vous pouvez faire autre chose. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de limite. Euh, moi, je sais que l'argent a une limite. Et donc, moi, quand j'ai fait mes affaires, je peux vous dire, au moment où je signais mes contrats avec euh, la Banque mondiale, avec euh, la grande entreprise PPC qui fait du ciment, oh en 2012, je suis parti faire la politique parce que je me suis dit que j'avais déjà réalisé quelque chose, les autres allaient travailler et moi je devais m'occuper des citoyens. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la province orientale, qui est chez moi, euh, où euh, je crois avoir apporté avec mon équipe. Le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, parfois, quand je vais dans certains bureaux des gouvernements provinciaux, euh, je me dis que nous avions une équipe. Et nous. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'arrive à Kisangani, je suis toujours le meilleur élu. Vous avez organisé une table ronde économique avec des investisseurs Parce que la, les non, citoyens non, savent non, ce qu'on qu a fait. On a fait la première table économique ronde, la, la CEPOR, en 2007. Elle n'a pas pu se tenir. J'étais député national. Nous avons été chassés par jalousie. C'est ça le, le mal, le vice du Congolais. Chassés, nous étions là, le chef de l'État était là, mais on était raconté au chef de l'État une histoire euh, euh, criminelle, grave, comme quoi moi je ramenais une rébellion là-bas au lieu de faire une table économique. Or, oh, moi, mon essence, c'est l'économie. Et euh, nous, ça a raté. Et puis après, je, je fais une autre au niveau de, de Kisangani quand j'en étais gouverneur. J'en ai fait aussi en Itourie. Et c'est pour attirer. Vous savez, le gouvernant, il est là pour mettre en place les conditions pour que les citoyens, les opérateurs économiques puissent travailler. Pas pour freiner, pas pour se retrouver. Moi. Quand quelqu'un vient dans la province, veut investir, je lui ouvre la porte. Je ne lui demande pas de me donner 10%, ou bien je ne lui demande pas de me donner quelque chose. Ça, ça n'existe pas. Moi, les, les dossiers qui rentraient chez moi, par exemple sur les, le foncier, ils, ils passaient directement. Je signais les contrats directement, sans pouvoir. Sans pourcentage. Mais monsieur, sans cela. Ça... Et, et moi, je viens. N'oubliez pas que je suis un produit aussi de la FEC. J'ai été président de la FEC Kinshasa et j'ai été administrateur délégué. Administrateur délégué. Et j'ai été euh, président de la commission de la réunification économique. Après les événements 2003-2004, c'est nous qui avions ouvert la route, les bateaux, les avions, la communication, euh, etc., euh, vers Goma, vers Kisangani et vers l'Équateur. Et donc, euh, il, ne, il ne peut pas, chez moi, quand je, je facilite à quelqu'un. J'attends un retour, non pas un retour d'argent. Et c'est là où les gens confondent quand ils voient quelqu'un qui a de l'argent aller dans l'économie, euh, dans la politique plutôt, ils croient qu'il va encore chercher l'argent. Non, on va plutôt apporter une expérience. Donc, euh, quand je, je facilite, le retour c'est quoi C'est qu'il vienne investir. Le retour c'est que demain il fasse aussi une affaire avec quelqu'un d'autre qui l'a aidé. C'est le retour de, de l'ascenseur. En parcourant un peu tout ce que vous avez réalisé, on a découvert qu'on parle de vous, de l'homme qui a restructuré vraiment la, la direction provinciale des recettes, qu'ils sont au niveau des Kisangani ou des Bounia. On dit également que vous avez une certaine capacité de mobilisation des recettes. Et vous avez aussi, et pour cela, vous avez aussi réhabilité quelques tronçons routiers. Écoutez, c'est vrai que là, parfois, je, 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 comme je disais à mes à assujettis, j'ai la casquette publique, je dois. Recolter l'argent, recouvrir l'argent de l'État. Mais en même temps, je vois les difficultés que les entreprises ont avec la fiscalité. Notre pays a une fiscalité qui est trop lourde, le climat d'affaires n'est pas encore bon. J'ai dédicacé le livre 50 000 taxes. Effectivement, nous avons un système qui est trop lourd où euh, nous avons trois niveaux de pouvoir. Central, avec les régies financières nationales. Provincial, avec les régies provinciales. Local, avec les régies locales, la mairie, etc. Vous imaginez le nombre de régies de perception que nous avons. Parce que chaque maire peut le faire, chaque bourgmestre peut le faire. Euh, nous nous avions remis en place... Je crois qu'on l'avait trouvé à 200 ou 300 000 dollars. Nous sommes montés à 800 000 dollars de recettes le mois. Pour une grande province comme la province orientale, c'est rien du tout. Et à l'époque, nous avions, quand je suis arrivé, parfois, vous savez, un jour il faut écrire. Je peux vous dire quand nous sommes arrivés, la rétrocession était d'un million quatre mille, mais elle est descendue à 900 000 parce que nous ne faisions pas l'opération retour. On nous a baissé. Vous voyez, ça, ce sont les réalités, c'est vrai, euh, de, de, de système. Et euh, 900 000, 960 000 dollars, si je me trompe pas, mais pour euh, les quatre districts, c'était très peu. Mais nous avons géré ça en bon père de famille. Nous avons pu lancer les routes, l'asphaltage des routes au deuxième, troisième mois. Les premiers 60 000 dollars, ça venait en deux tranches, 500 aidés plus 400, sont allés pour les premiers kilomètres de route. Et euh, nous payions bien nos agents et les gens voyaient qu'il y, qu y avait des réalisations que l'État faisait, que nous faisions. En Itourie, vous, et vous, ils vous, a, vous avez appel, euh, même écrit à l'IGF pour devenir vous contrôler quand vous étiez à Itouri. E ah oui, je demandais parce que, vous savez, il y a, en, en Itourie, les rétrocessions étaient très faibles. Très faibles. Nous avons eu... En moyenne, 94 000 dollars par mois de rétrocession de Kinshasa. Comment voulez-vous gérer une province qui a 2 millions de déplacés, qui a des rébellions, des milices, une insécurité terrible, des besoins avec si peu d'argent Et euh, une fois, nous avons reçu une rétrocession directe d'un million sur les 2 400 000 que nous avons reçus en deux ans, nous avons reçu un million. Mais j'ai vu les hommes politiques, les députés, tant nationaux que provinciaux, euh, faire beaucoup de bruit parce qu'ils pensaient qu'on devait se repartir cet argent. Or, euh, non, les peu là, hein, j'ai pu les gérer pendant plusieurs mois. Et ça m'a fait une moyenne de 94 000 dollars. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 000 dollars Les gens oublient ça, mais parfois nous nous sommes réservés parce que nous sommes des, des hommes d'État. Mais euh, il ne faut pas aller trop loin parce que j'ai l'impression qu'on est en train de sacrifier la décentralisation. Et les provinces, c'est vrai qu'elles doivent avoir un système de contrôle par euh, l'inspection générale des finances. mais euh, soit dit en passant, moi j'avais mis en place l'inspection provinciale euh, de, de finances donc euh, qui est la même structure que l'inspection générale des finances et qui dépendait aussi d'elle, les textes nous les ont permis. Ça m'étonne qu'aucune autre province l'a fait, mais sachez qu'en Itourie, aujourd'hui, il y a l'inspection provinciale des finances qui doit contrôler le gouvernement provincial, les entreprises là, et même, j'avais trouvé la faille de contrôler même les régies nationales telles que la DGDA, la DG, Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution dit que la province a droit à 40% retenu à la source. Eh ben, nos 40%, Puisqu'ils sont là perçus, notre inspection provinciale des finances peut aller contrôler, mais ça m'a fait des blocages et des guerres. Voilà tout le problème. A, et pas... le fonair, par exemple, le fonair, c'est la perception à la, à la source. Malgré la province orientale litourie, je ne suis pas arrivé à le faire parce qu'il y a une grosse mafia derrière. Il y a de l'argent qui se perd à Harou, l'argent du fonair, on ne sait pas où va. À Mag, on ne sait pas où il va. On aurait pu asphalter les routes, même peut-être arriver... Euh, en tout cas, en quatre ans, on pouvait asphalter Mahagi jusqu'à Bougna. Donc, euh, imaginez-vous, en dix ans, on serait arrivé à, à plus loin que Mamba, peut-être. Et on aurait fait 200, 300, 400 kilomètres parce qu'on avait... En tout cas, la, la les entre Haru et Mahagi, on a à peu près 3 millions de dollars par mois de fonaires. Mais où est-ce qu'ils vont ça ben a mal compris, Bamani, ben a incompris. On dit que vous n'êtes pas souple. Hein. Comme on dit à l'Ingala, moi, ma boucle, ma casse, et donc euh, il n'y a que ben qui bouffe et les autres ne bouffent pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'Itourie Pourquoi ça n'a pas marché Alors que vous avez des, des bonnes idées. Vous avez même l'idée de créer des entreprises provinciales, puisque, comme vous le dites, la Constitution vous le permet. Voilà. Vous avez des très belles Mais idées. ça, c'est, vous savez, ce terme-là, bon, vous le reprenez, vous êtes journaliste, mais euh, euh, ce n'est pas, pas une. Euh, Quelque chose qui doit être véhiculé dans la tête des gens. Quand il y a une autorité qui passe aux à Yomoko, aux à omoko, ou nakula wepeka, mais c'est malsain, c'est mortel. Quand j'entends ça, franchement, j'ai pitié des, des personnes qui pensent ça. Parce que c'est comme si, quand on est élu, quand on a un mandat, on doit aller bouffer pour se le repartir. Et c'est ça l'essence même de l'africain. Lorsque, et je l'ai écrit dans mon travail du, du CHEST, euh, on, on soutient n'importe qui parce qu'il vient du clan, parce qu'il vient de la communauté, parce qu'il va bouffer et euh, il va repartir les miettes au sein de la communauté. Nous devons arrêter ça. Et ça, ça c'est l'état de la pauvreté, en fait. Puisque l'État ne prend pas en charge euh, la santé, l'éducation. Bon, là, maintenant, avec le nouveau programme, c'est en train d'être fait. C'est ça, la répartition. Quand un État veut résoudre le problème, il n'y a pas de travail, etc., elle repartit ses revenus au sein de la population en lui octroyant, par exemple, le transport gratuit, la santé gratuite, l'éducation euh, gratuite, le logement gratuit, etc. Ce sont des méthodes pour que la population puisse euh, être à l'aise. Donc, euh, en Itourie, malheureusement, euh, c'est une situation très complexe où... L'Itourie a été très loin du pouvoir central pendant plus de 40 ans. Pas de route, pas d'école, pas de centre de santé, d'hôpitaux généraux. Et finalement, avec la pression du Sud-Soudan, de l'Ouganda, où il y avait des tumultes sécuritaires, et à l'époque il y avait de la fraude sur le café sur vous savez le café quand il était cher il arrivait à la frontière soudanaise il s'échangeait contre camion un petit euh, une petite cargaison de café euh, 6 tonnes valait tout de suite un camion donc on a on a laissé l'informel et béni aussi c'est la même chose avec les ADF il y a toute une économie criminelle qui est en train de s'installer parce que l'état est absent parce que euh, les règles ne sont pas suivies parce que euh, Kinshasa, euh, en, en tant que fait qu'à l'époque, nous avons dit nous devons revoir la fiscalité entre l'Est et l'Ouest pour pouvoir l'uniformiser. Il n'est pas normal, et ça les opérateurs économiques le disent, il n'est pas normal qu'on importe par Matadi euh, et par Mombasa jusqu'à Kisangani au centre avec une différence plus chère par Mombasa de 12 000 à 14 000 dollars. Comment est-ce que les gens euh, d'à l'Est vont faire face à la concurrence de ceux de l'Ouest Eh bien, ils ont décidé de, ne, de, de laisser euh, cette fraude s'installer et de payer moins parce que le transport est cher, etc. Les 12 000 dollars, en termes économiques, doivent être récupérés. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'exonérations, il y a beaucoup euh, de, de fraudes qui se passent et c'est tout un système qui alimente. Parce que la fraude sur l'or, lorsque vous exportez l'or par exemple, ici chez nous c'est entre 5 et 6 Mais lorsque vous arrivez avec votre or en Ouganda ou au Rwanda, c'est 0,05 pour pouvoir l'exporter. L'Ouganda et le Rwanda ils sont contents, le Burundi aussi, euh, enfin le Kenya aussi, euh, ils sont contents d'avoir des recettes pour leur balance de paiement. Mais nous ici on cherche des taxes. Vous voyez la différence de... Alors si je comprends bien... Et, et on la... cherche des taxes et on les perd parce que finalement sur tout l'Itouri, il y a 28 kilos euh, d'or qui sont déclarés par an, mais l'Ouganda déclare une tonne et demie. Et donc si on vous comprend bien, la, la guerre à l'Est est plus qu'économique Oui, c'est l'économie, la, la recherche de la survie de la population euh, a fait que, par exemple, les zones Sokimo... J'ai eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai demandé même qu'on arrache les droits de Sokimo parce que Sokimo a rendu son espace euh, comme un champ où euh, il faisait de la sous-traitance à des petites unités. Et aujourd'hui, c'est les groupes armés qui y sont et les, les commerçants, ils se, enfin les exploitants qui sont là, euh, ça devient communautaire, ça devient. Euh, euh, Protégés par euh, des personnes en armes. Et finalement, ah, on a armés. comme ça, euh, d'abord des personnes en armes, et puis ça s'étend à devenir des milices et des groupes armés. Et comme par exemple, le Codeco dont vous parlez, euh, il, a, il a cinq branches par rapport aux intérêts euh, de, chaque entité, euh, de chaque entité sur le seul territoire. Et quelles sont les richesses qu'on retrouve là-bas C'est l'or, c'est le café, c'est euh, le, le cacao, le bois. Euh, qui sont malheureusement exploités avec des intérêts des agents publics, avec des intérêts des agents de services de sécurité. Et cela est en train de, de, de rendre euh, le système beaucoup plus difficile. Donc l'Itourie, je n'ai pas pu, je n'ai pas travaillé du tout en Itourie. Parce que dès que je suis arrivé, euh, les, 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 les conflits ont, ont, ont repris. Et puis après, on a eu euh, des problèmes. Euh, avec le CODECO, avec d'autres milices qui sont, sont nées, avec l'implication euh, même des, des députés. Euh, hier, j'étais sidéré de voir, euh, oui, un groupe, euh, un groupe armé, par exemple, qui est venu euh, euh, rendre euh, son, son acte d'engagement euh, au niveau du, du général qui est en poste là-bas. Mais le soir, ils étaient chez un député en train de faire la fête. Euh, et c'est choquant. Bon, on va peut-être, parce que 45 minutes, ce n'est pas beaucoup, on, va, on est parce que à la moitié de notre émission. Alors, pour clore ce dossier-là, qu'est-ce qu'il faut Quel remède pour la grande province orientale Écoutez, faut euh, nous avons beaucoup apprécié, vous avez vu cette initiative de l'espace Grande-Orientale. Très bonne initiative parce que euh, la, la province orientale, aujourd'hui, elle est composée de quatre provinces qui étaient ces districts, mais où les. les les hommes et les femmes étaient ensemble. L'intérêt euh, aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire un bloc, une unité dans la diversité. Parce que euh, la province orientale a, a, a la nette impression, et c'est une vérité, qu'elle est complètement oubliée sur l'échiquier national, sur les investissements à faire, euh, sur nos infrastructures, etc. Donc, euh, c'est déjà une bonne chose et nous espérons que... Euh, au niveau national, on va tenir compte quand même des 12% de cette population euh, qui est dans la Grande Orientale pour pouvoir euh, lui, lui octroyer ses infrastructures et puis euh, euh, utiliser ses expertises. Maintenant, l'Itourie, il y a plusieurs volets. L'Itourie, on est arrivé à un niveau où c'est vrai qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui ont, qui ont des armes euh, et euh, il faut une justice. Il faut punir ceux qui ont pris les armes, qui ont massacré. On a plus de 8000 personnes qui ont été tuées, massacrées méchamment, sauvagement. Ils méritent les prisons. Il y a un programme de réinsertion, désarmement, réinsertion d'une partie de la population au sein des communautés. Mais comment est-ce qu'on peut aller réinsérer des gens qui ont pris des armes, qui ont vécu avec ça, en attaquant, en prenant l'or, en arrêtant. Euh, euh, en pillant sur les routes, les, les, les véhicules, etc. Si il n'y a pas de travail, ouais on va donner un kit 100 dollars, 200 dollars. Ça n'a pas marché. On a déjà dépensé plus de 300, 400, non, plus de 500 millions de dollars dans les programmes. Tous nos partenaires, Banque mondiale, Union européenne, etc. Tout le monde aujourd'hui euh, et, et se dit et c'est là où il y a la communauté internationale qui dit, on ne veut plus accompagner euh, ce système. De désarmement et de réintégration dans la communauté. Mais on veut plutôt, et c'est ça notre programme, malheureusement, on n'a pas été compris. Et c'est vraiment très très dommage parce que nous avions un programme qui s'appelait RRCD, qui était la réinsertion et le développement. Je résume en, en disant que il faut pendant 10 ans appliquer à 80% minimum, le programme et le budget du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Parce qu'il ne faut pas écrire tout le temps dans le budget qu'on va faire une route et puis on ne le fait pas, etc. Et nous avions convaincu la communauté internationale, nous, c'est le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et l'Itouri, les trois gouverneurs, nous avions convaincu la communauté internationale à Washington et ici à Kinshasa pour dire cet équilibre-là que vous vouliez faire au niveau euh, de l'exploitation de ressources euh, naturelles après 2003-2004, en disant que nous devons euh, envoyer nos matières brutes dans les pays voisins pour qu'ils soient exploités et, euh, et euh, exportés, a créé un déséquilibre. L'Ouganda et le Rwanda ont progressé, nos provinces ont régressé. Nous devons aujourd'hui remettre ces équilibres en place. Ça demande, c'est vrai peut-être peut les autres pays, ça baisse, mais le nôtre doivent monter. Donc, ça demande de revoir la fiscalité, ça demande d'investir dans la production et la transformation localement. Je vous dis, l'Est du pays peut avoir un impact, on l'oublie, elle doit avoir ses routes qui rentrent vers le centre, toutes les routes. Et là où nous avions déjà avec la Banque mondiale plus de 800 millions, mais avec l'état de siège, tout ça s'est arrêté, nous avions un, un magnifique programme. Un magnifique accompagnement qui se faisait, mais des intérêts obscurs qui n'étaient pas contents de voir que nous commencions à serrer au niveau de la douane, au niveau euh, de, de la justice, etc. Euh, nous, en tant que civils, nous avons fait beaucoup aussi en termes de sécurité. Euh, on, va, on va évoluer parce qu'on a. On a mais, pour que l'Itourie, c'est tout un programme d'ensemble qui doit être fait, comme je le dis investir. Euh, dans l'Itourie et dans les développements. Les autres, euh, ouais. Alors, euh, jean Manissa, vous vous intéressez beaucoup à la ville-province de Kinshasa, mais vous ne voulez pas postuler comme gouverneur parce que vous avez travaillé avec, à travers expo béton sur le corridor, les développements du corridor ouest. On vous a vu maintenant changer un peu de cap pour parler de Kinshasa à l'horizon 2050 donc, il faut créer d'autres villes à, dans la ville de Kinshasa, Mégapole. Alors, vous, vous, aujourd'hui, avec les sénateurs, vous n'avez pas de Kinshasa à l'horizon de 36 Pourquoi vous vous intéressez aussi à la ville de Kinshasa Mais Vous savez, Kinshasa, moi, quand j'ai quitté Kisangani pour venir vivre ici dans les années 84-85, déjà, je voyais que, comment ça vivait, qu'il y avait cette disparité. C'était tellement… Euh, de la ville, on habitait à Lupin, on devait venir acheter le pain à la Gombe, on voyait le commerce qui n'était pas bien reparti. Euh, Kisangani, par exemple, est une très belle ville qui a été vraiment bien pensée. Mais, et je toujours été dans ce domaine, dans l'aménagement de la ville, etc. Et Kinshasa, oui, parce que on voyait. En, vous savez qu'en 2006, par exemple, j'ai dit aux autorités, Attention, on fait trop de campagnes, les cinq chantiers, trop de campagnes sur euh, Kinshasa, on met trop de projecteurs, on va attirer trop de population. Et quand il y a trop de population, vous savez, si vous vivez à 20 personnes dans une maison, vous allez voir que les équipements vont commencer à s'abîmer. Mais quand vous êtes à nombre un nombre peu, un peu moins élevé, vous arrivez à gérer. Donc, Kinshasa, il y a une surpopulation. Et on était à... 6 millions, 9 millions, 12 millions, 14, on parle de 17, 18 millions aujourd'hui sur population qui ne peut pas répondre aux besoins de base de la population, que ce soit la santé, l'éducation, la mobilité. Et donc, euh, on réfléchit là-dessus. Pourquoi Parce qu'il y a le corridor. Kinshasa est le centre de corridor. J'ai développé ce concept du corridor parce que j'ai beaucoup travaillé sur Maluku, par exemple, la zone économique spéciale de Maluku, c'est depuis les années euh, 93. 93. Apparemment, ah, vous, vous, vous êtes toujours incompris. Mais maintenant, c'est en train de se faire. Mais j'ai passé 30 ans, n'est-ce pas Depuis 93. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Et euh, Maloukou n'est pas encore construit. Et donc, euh, en 2002, j'étais devant le Conseil de ministres. Ça fait 20 ans. Euh, Maloukou n'est toujours pas euh, construit. Bon, maintenant, la loi est là. Et les projets sont en train de venir. Tant mieux, mais. Le plan d'ensemble n'existe pas encore parce qu'il y avait la zone industrielle, il y avait le port, il y avait les routes qui devaient monter sur le plateau de Batéké parce que on devait produire là-bas, les bateaux devraient faire descendre des produits. Et, et puis aujourd'hui, je vous dis à mon collègue de l'industrie, c'est vrai qu'on va faire une industrie de carrelage. PPC en est, en euh, est fournisseur de, de Ciment. Mais je vous dis, c'est pas là que ça devrait se faire. C'était à côté de notre usine à Kimpé, c'est que ça devrait se faire. Parce que là, il y a le ciment, il y a le sable, il y a l'électricité. Mais ici, Maluku, c'est agro-industriel. C'est là où on doit transformer la, les produits de base et faisons vite parce que l'intelligence économique nous dit qu'en face, il y a aussi une zone économique spéciale. Et qui a été cédé, n'est-ce pas, au Rwanda, mm -hmm. euh, et bien, demain, c'est eux qui risquent de nous fournir le produit. Mais nous, on est où On n'a pas assez de bureaux d'études. On n'a pas assez de centres de recherche. Études Parce études que, des études des préfaisabilités ou des faisabilités. Voilà, et de plans. Et de plans. Mm -hmm. Et de plans. Plan. Mais vous y travaillez depuis longtemps. Mais je vous ne partagez pas, c'est ça votre Mais problème je, aussi. Mais on partage, et ceux, à qui vous partagez. Hein, et ceux qui entendent ne viennent pas les chercher. Et je l'ai dit, je peux vous dire, je l'ai dit euh, euh, même à nos plus hautes autorités, je dis, vous ne savez pas ce que vous ratez à ne pas m'écouter parfois. Je peux vous le dire. Certains en tout disent modestie. que Bamani, ça passe 10 euh, ans avant. Mais Et les autres viennent beaucoup, comprendre parfois 20 ans beaucoup après. Beaucoup de mes amis avec qui on a compris, c'est quelque chose que j'ai, je sais prévenir, je sais planifier pour l'avenir. Et c'est ça qui vous a conduit à planifier pour PPC, la grande cimenterie aujourd'hui. Bien sûr, lorsque j'ai pensé de développer la ville, mais comment pouvez-vous, en 2004, je dis, mais comment est-ce qu'on peut parler de développer la ville, faire des chantiers, etc., sans ciment On avait une production de 400 000 tonnes avec euh, Silo. Et j'ai commencé, en tant que PME, je fais les études pour arriver à capter les financements. Ce n'est pas moi qui ai financé. Nous avons obtenu les financements de la Banque mondiale, des sociétés sud-africaines, de la banque euh, Tidibier de, de l'Est-Afrique, euh, qui sont nos, nos partenaires financiers. Donc, euh, parce que le projet était bien pensé. Mais aujourd'hui, on a le ciment et nous devons progresser. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Et nous devons avoir un programme, et nous ne le sentons pas, ce programme. Mais pourquoi ne pas postuler comme gouverneur de la ville de Kinshasa, puisque Bamanissa a identifié la projection de la ville, Bamanissa connaît bien euh, Kinshasa et là, il a toutes les projections, mais après je, vous, vous abandonnez Kinshasa je, pour, la province je, je et vous... pour la province orientale. Voilà, je vous dis ceci. Moi, c'est vrai que gouverneur, en tout cas, on a la plénitude de son euh, programme lorsqu'on a un, une assemblée qui n'est pas comme la mienne là de l'Itouri, où il y avait euh des, des mauvais éléments. Tous n'étaient pas mauvais, mais il y en avait quelques-uns. Mais euh, lorsqu'on peut travailler en tant que gouverneur, on a vraiment la plénitude. Notre loi de la décentralisation est très bien faite, bien que Kinshasa ne l'appuie pas. Mais je vous dis qu'il y a un problème. La Constitution parle de la République démocratique du Congo, constituée de... 20, euh, de 24 provinces, n'est-ce pas Plus la ville, c'est 25 25, euh, 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. De Kinshasa. Ouais. Et puis elle dit que la ville de Kinshasa est, est la capitale, elle est le siège des institutions et elle a le statut de province. Donc elle n'est pas, pas une province en réalité, elle est, elle est une ville. Or, lorsque vous regardez les prérogatives de la ville, elles sont différentes que de la province. Donc, il y a une incongruité dans nos textes. Et lorsque vous étiez peut-être là à Expo Béton, nous avons eu euh, euh, vraiment la sollicitude du chef de l'État et du Premier ministre euh, qui sont venus, son Excellence Monsieur Félix Chilombo et Monsieur, euh, son Excellence euh, M. Samaloukombe. Ils étaient là. Ils ont entendu, je leur ai dit que le dossier de Kinshasa doit être prioritaire. Nous devons requalifier d'une façon politique et administrative Kinshasa. Kinshasa doit devenir une province comme toutes les 25 autres. Elle doit être composée de villes, de plusieurs villes. Le minimum, c'est quatre, si on part des anciens districts. Maintenant, là où il y a juxtaposition, parce que les ministres nationaux ils gèrent la ville aussi le gouvernement euh, provincial gère la ville. L'administration, puisque nous avons une administration déconcentrée, qui euh, aujourd'hui dépend des chefs de division, les chefs de bureau, il dépend de qui Du secrétaire général. Le secrétaire général est à Kinshasa et du ministre. Donc, vous avez le service déconcentré avec un ministre national, secrétaire général je, euh, et les chefs de division de bureau, etc. Et vous avez à côté un gouverneur et ses ministres, mais... La, la, la loi sur la libre administration des provinces dit que cette administration est mise à disposition des gouvernements provinciaux. Mais je vous assure ici, elle ne dépend pas... Du mais gouvernement vous ne communiquez provincial. pas assez, monsieur le Vous, vous ne communiquez elle, pas non, assez. Non, non. Euh, à... je, 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 je sens votre question, mais je, je pourrais vous répondre. Écoutez-moi plus souvent et rappelez-vous de ce que je vous dis, parce que je crois vous avoir déjà dit ça. Donc, il faut répéter peut-être ce que je dis. Euh, il, faut, il faut que ça soit bien entendu. Euh, il y a des députés qui ont compris, qui ont proposé d'ailleurs la révision euh, de nos textes pour rendre Kinshasa viable. Kinshasa ne peut pas répondre à son développement euh, et à, à, aux besoins de sa population de la façon dont elle est composée. Et moi, si je suis gouverneur aujourd'hui de Kinshasa, je suis une étiquette. Parce que j'aurais un ministre... Euh, la dernière fois, on a vu le ministre des Travaux Publics euh, aller visiter les caniveaux. En 2003, j'étais. En 2012 plutôt, je crois, j'étais. Je venais de. Non, je, ouais, je, de, de l'Assemblée nationale. Mais je me rappelle que je travaillais avec le gouvernement pour qu'il soit fait l'inventaire des patrimoines du gouvernement central et du gouvernement provincial. Parce que je, je sentais une ju juxtaposition. Aujourd'hui, le boulevard, il est sous la charge de qui L'avenue Monjiba, il est à, sous la charge de qui Le bord du fleuve, il est sous la charge de qui On n'a même pas encore déterminé et on voit le gouvernement central et le gouvernement provincial. Méli Mélo. Mélo, ça ne peut pas marcher, je vous dis. Et arrêtons de tourner autour du, du pot. Il faut prendre les choses en main et pour nous, la solution, on en a déjà euh, discuté et le ministère de l'Intérieur est d'accord de faire un atelier là-dessus commencer à. À, à, à discuter, mais discuter. Bon, il faut prendre des décisions. Moi, j'aime bien les décisions qui sont rapidement prises. Il faut recomposer Kinshasa. Et alors, la ville au nord, là où se trouvent les, les sièges des institutions, le, la, la présidence, le parlement, euh, les, le gouvernement, etc. Ça, c'est Sarah, la ville où il y aura un maire et qui pourra se juxtaposer avec la, le gouvernement central. Et tout le reste, c'est le gouvernement provincial qui pourra gérer, suivant les textes. Alors, il nous reste très peu de temps, peut-être cinq minutes, on va peut-être conclure, commencer à conclure déjà. Alors, euh, maintenant, parlons du ciment, puisque vous êtes entier, Et on parle de, des îles qui sont là, qui tournent plus ou moins dans l'ensemble à 30%. Qu'est-ce qu'il faut, puisqu'on parlait des ciment, on importait des ciment, peut-être qu'on continue encore à importer, alors qu'il y a la production locale pour pouvoir faire tourner nos cimentaires Qu'est-ce qu'il faut Alors, le, le, la première chose, c'est quoi Il nous manque l'intelligence économique. Elle doit être publique, économique. Elle doit être publique et elle doit être du secteur privé. -dire Lorsque dire... nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une production de 400 000 tonnes et qu'il y avait un besoin euh, de 2,5 millions et demi de tonnes à peu près, nous avons monté une usine de 1,2 million de tonnes. Plus les 400 000, ça fait un million. Nous arrivions presque à satisfaire. Et puis, il est arrivé un troisième et lui aussi un million. Donc, on a à peu près 3 millions 200. 000. Mais la réalité sur la partie Kinshasa avec la dif les difficultés de transport n'est que d'un million 500 mille tonnes de consommation. Parce qu'il n'y a pas de gros travaux. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de digue. Il n'y a pas, y a... les bâtiments qui se créent aujourd'hui ne font même pas tourner nos usines. Vous, vous, vous le savez, euh, elles tournent vraiment à 30, 40 c'est très peu, parce que ce pas ces petits. C'est des petits chantiers qu'on voit. Ce n'est pas encore vraiment la grande construction. Donc, les, selon vous, les gouvernements doivent apprécier des grands travaux. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi je parle de l'intelligence euh, économique Parce qu'en même temps, à Brazzaville, eux aussi, ils sont passés à 4 millions de tonnes parce qu'ils visaient le marché de Kinshasa. L'Angola, qui était à 2-3 millions de tonnes, est passé à 8 millions de tonnes parce qu'ils visaient Kinshasa. Alors, et puis, on a laissé. Et puis, aujourd'hui, j'apprends que le gouvernement est en train d'appeler d'autres cimenteries de venir s'installer. Mais déjà, nous ne tournons pas. Vous attirez d'autres. Mais ils vont fermer. À Brazzaville, il y a déjà deux cimenteries qui ont fermé. Donc voilà, là où il faut un peu de rationalité. Et qui doit faire le gouvernement Mais, mais c'est le gouvernement. L'intelligence économique publique, avec l'ANAPI, avec le ministère de l'Industrie, avec le ministère de l'Économie, doivent bien guider. Parce que sinon, nous allons fermer. Même nous qui existons, nous risquons... Est-ce que vous êtes associé, vous, les cimentiers, dans le programme 145 Territoires Ils consomment le ciment. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais difficilement, ils arrivent à des endroits... Aujourd'hui, nous avons des dépôts à Zongo. Nous vendons à Zongo au prix usine plus transport. Nous vendons à Kisangani, prix usine plus transport. Nous vendons à Ilebo et Mueneditou, prix transport. Chikapa, Mueneditou... À peu près combien, par exemple, à Zongo le sac le, le sac à zongo ne peut, doit être autour de euh, 17 dollars 17 dollars mais par contre moi j'ai et cofine télévision nous avons été à Kimpese vous vendez à Kimpese le ciment? à l'usine chez nous le le ciment est à peu près à 7 dollars euh, c'est le transport qui, qui s'ajoute. Mais oui, mais on parle de la, de la population, de la, commun de la communauté lo locale. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, les îles ne peuvent pas s'organiser pour vendre directement à la population? Aujourd'hui, même à Kisangani, euh, je viens de là, euh, le ciment se vend, prix transport, euh, compris à, à peu près à 13 dollars. Moi, moi, je parle, donc, donc, je pourrais parler des... Le KPC, c'est 16 000 francs, c'est 8 dollars, c'est quand même beaucoup. Il faut favoriser la mais population aujourd locale. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, C'est vrai qu'on n'a pas la TVA, mais le, le coût de l'énergie vient d'avoir une augmentation de 70%. Vous voyez, ça va se répercuter sur le prix. Et ça, j'ai vu hier, on était à 0,050 euh, et quelque chose, on passe à 0,09, presque le double du prix. Deux, le transport. est très cher, Onatra, STP. Est très cher. On a les droits d'entrée sur le charbon. Il y a des produits que nous devons importer, comme le charbon, comme le, le gypse, etc. Les, les pièces de rechange. Euh, il faut payer là-dessus. Le coût ici est cher. La fiscalité, nous payons des, des taxes. Nous payons déjà 5-6 entre la taxe sur euh, la, la TPI, euh, sur le produit industriel, euh, et les taxes de consommation, etc. Nous sommes à du 5-6%. Ça s'ajoute. Ce sont les taxes aujourd'hui. Merci qui sont beaucoup. J'aimerais Je vous ai dit au début que 45 minutes, c'est beaucoup, mais c'est très peu pour pouvoir tout, tout parler. Donc, on vous donnera juste un, un dernier mot par rapport à, à la fois pour le, la province orientale et les développements de la ville de Kinshasa. On ne va pas rentrer écoutez, à la politique. Hein, écoutez, si non, non euh, ce que je dis, c'est qu'on est en train d'oublier euh, le développement de nos provinces. Le long du fleuve, ici, nous pouvons avoir un programme parce que si nous n'avons pas encore les moyens de tracer une route jusqu'à à Guémena, jusqu'à à, 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 à Buta, etc., nous avons le fleuve euh, qui longe des provinces où nous pouvons faire des programmes agricoles, des programmes de population, d'électricité, d'eau, pour que les populations puissent aller transformer et y habiter. Moi, j'ai voulu lancer, par exemple, l'Autokila que j'ai racheté au gouvernement central. Euh, la sucrière. Mais ceux qui sont venus après moi n'ont pas été capables même de finaliser les documents et de continuer. Il euh, y, y a quand même un, un sérieux problème euh, qui demande à ce qu'il y ait de plus en plus de compétences, d'intelligence qui euh, repartent vers les provinces pour pouvoir les développer et euh, avoir une complémentarité avec le développement de Kinshasa. Et euh, nous pensons qu'aujourd'hui, euh, avec euh, le. Nous avons eu quatre ans d'un nouveau gouvernement. C'est vrai qu'au début, il y avait certaines difficultés. Là, euh, les choses sont en train de se mettre en place. Un, un programme 145, euh, ce n'est pas encore euh, suffisant. Il en faut 145 territoires. Il en faut d'autres sur les routes maintenant. Il faut relier ces 145 territoires par des routes. Euh, nous félicitons. Euh, le chef de l'État et son gouvernement qui, qui, qui veulent arriver à des résultats, euh, mais nous devons penser aussi au, au fonctionnement d'un État, parce que l'État, aujourd'hui, a quelques difficultés de fonctionnement et euh, cela euh, est en train de nous retarder. Donc, euh, nous sommes euh, conscients qu'il y a des difficultés, mais qu'il y a aujourd'hui une jeunesse qui est présente, qui est forte et qui doit consciemment et d'une façon, avec un esprit pionnier, s'intégrer, s'ingérer dans l'administration, accepter des bas salaires peut-être pendant un moment, mais pouvoir euh, remonter toutes nos entités, communes, territoires, euh, villes, provinces, euh, pour que vraiment la République démocratique du Congo puisse avoir un impact, comme on a vu sur le budget, on était à 4 milliards. On est passé à 9 milliards, on est aujourd'hui à 14 milliards, on peut arriver à 25 milliards, euh, sans pression fiscale, mais en élargissant et en s'assurant surtout Merci. que cet argent puisse servir la population congolaise. Vous l'aurez remarqué, il a beaucoup de choses à dire. Nous qui le côtoyons, nous le savons. Donc on reviendra peut-être avec lui très prochainement. On va parler de ses idées sur le corridor ouest, corridor nord et sud. On reviendra peut-être avec lui prochainement pour parler du développement de la ville de Kinshasa. Vous, ici, on a Kefleray, donc euh, tout ce qui concerne la ville de province de Kinshasa. Jean-Marissa Saïdi, merci. Merci. Et la prochaine fois, je pense que nous pouvons nous focaliser sur un sujet ou deux. Il n'y a pas de problème. Euh, et nous aurons le temps de pouvoir le traiter. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et on se voit très prochainement. Très bientôt d'ailleurs.